êtes coach sportif en auto-entrepreneur ou en déclaration contrôlée? Voici une question qu'on me pose souvent. Quelle est la différence entre un travailleur indépendant, une entreprise individuelle et une société? Eh bien, voici ce que vous devez savoir. Comme le mot indépendant l'indique, être travailleur indépendant signifie travailler pour son propre compte, sans patron. Vous êtes travailleur indépendant quand vous êtes en auto-entrepreneur. Si vous êtes travailleur indépendant, vous êtes en entreprise individuelle. Si vous êtes auto-entrepreneur ou en déclaration contrôlée, vous êtes aussi travailleur indépendant en entreprise individuelle puisque vous gérez seul votre entreprise. Quelle différence avec les sociétés? Quand vous souhaitez créer une entreprise, vous avez le choix entre vous mettre à votre compte et vous associer avec d'autres personnes. Être en société signifie s'associer avec d'autres personnes, ce qu'on appelle les associés. Les sociétés les plus courantes sont la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société par action simplifiée, la SAS. On créera donc une société si on souhaite obtenir des autres associés des compétences complémentaires aux nôtres ou pour qu'ils apportent la trésorerie de départ que l'on n'a peut-être pas. Pour information, il existe des sociétés où vous êtes seul à bord, les EURL et les SASU. Néanmoins, ces sociétés ne peuvent pas être considérées comme des entreprises individuelles. En résumé, être travailleur indépendant, c'est créer une entreprise seule, sous forme d'entreprise individuelle. Être en société, c'est créer une entreprise avec d'autres personnes, les associés, à qui on doit rendre des comptes et avec qui il faudra travailler. Les EURL et les SASU sont des entreprises sous forme de société et non pas des entreprises individuelles. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes travailleur indépendant en entreprise individuelle. Revoyez encore cette vidéo deux ou trois fois si tout n'est pas encore complètement clair dans votre esprit.